Bienvenue, nous allons vous présenter la maison familiale rurale de Vigneulles-les-Attons-Châtel. Bonjour. Les maisons familiales rurales sont des établissements pédagogiques par alternance. En France, nous en avons disposé de 430 et 160 dans le monde. Monsieur Hanney, pouvez-vous nous présenter la maison familiale rurale de Vigneulles-les-Attons-Châtel? Bonjour. Donc, la maison familiale de Vigneulles est un établissement qui a été créé en 1965. Nous proposons des formations par alternance, sous statut scolaire et par apprentissage, dans trois domaines professionnels qui sont l'agriculture, avec les productions animales et les productions végétales, l'agroéquipement et la maintenance des matériels. Dans les domaines de la machinisme agricole, des travaux publics et du parc et jardin. L'établissement accueille ou accueillait à la rentrée 2011 220 élèves, soit à peu près 90 apprentis et le reste donc en formation sous statut scolaire qui dépend du ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc Vigneulles-les-Attons-Châtel se situe dans la Meuse, entre Verdun et Metz, donc dans la région Lorraine. La maison familiale rurale de Vigneulles-les-Attons-Châtel, c'est donc une école où l'on peut effectuer ses études en alternance de la 4e au BTS. Notre école possède plusieurs salles de cours réparties dans plusieurs bâtiments sur un terrain de 3 hectares. L'école possède aussi un grand atelier pour les travaux pratiques où se trouvent de nombreux matériels récents issus de partenariats avec des constructeurs. Nous sommes internes et les moments de détente sont variés. Il y a un grand réfectoire, nous prenons nos repas, nous disposons également de plusieurs équipements sportifs, terrain de football, terrain de basket, table de ping-pong, baby-foot, salle de musculation. La MFR, c'est aussi de nombreuses sorties, visites et des voyages. L'alternance est moitié du temps à l'école et moitié du temps en entreprise.
En 4e et 3e, 3 options sont disponibles: métier de l'agriculture, maintenance et tout métier. Les formations bac professionnel, CAP et BTS se font dans les domaines de l'agroéquipement et de la maintenance des matériels agricoles, des travaux publics et de parcs et jardins.